من أمام أحد المكاتب التي يتم التصويت فيها في إطار الانتخابات التشريعية الفرنسية، وأمام تزايد مخاوف الجالية من تنامي ظاهرة التطرف، التقينا اليوم أن نلتقي بأحد أساتذة التاريخ من أبناء الجالية الجزائرية، السيد نور الدين سعد الله، الذي أبى إلا أن يدلو بدلوه ليعطي أبعاد هذه التهديدات على الجالية الجزائرية. Alors, c'est pas nouveau hein, que la communauté algérienne soit visée par l'extrême droite. C'est pas un scoop. Là, ça se révèle effectivement dans les derniers votes de ces derniers temps, au premier tour des législatives anticipées. Mais ça fait longtemps que les Algériens sont la cible de discrimination ou d'attaques en particulier. Est-ce qu'il y a une crainte d'un point de vue constitutionnel en termes de droits et notamment pour les binationaux ? Non, il y en a pas. Voilà, c'est inscrit dans la Constitution, hein, cette double nationalité. Ce qui se réveille, c'est la prise de conscience, on va dire ici et là-bas, qu'effectivement, on a une France, une partie de la France qui est discriminante. Et on le voit ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, cette libéralisation finalement des insultes anti-maghrébins, anti-noirs et plus particulièrement cette cabale. Qui est à l'encontre des Algériens plus spécifiquement. Ça s'est réveillé aussi avec malheureusement ce meurtre, ce décès de ce jeune Algérien tué de 7 balles dans le dos. Donc ça témoigne effectivement d'un climat anxiogène. La crainte, elle est plus là-dessus. On a peur effectivement de ce retour de ces ratonnades qu'on avait pu connaître dans les années 50-60 en France. On n'est pas à l'abri effectivement de la reconstitution de milices, même peut-être de milices armées. Et il y a des associations hein, qui se sont constituées dans ce sens, sous couvert effectivement de défense de la nation ou de la culture française. Et à chaque fois, malheureusement, c'est les Algériens qui en sont victimes. La question, c'est pourquoi nous en particulier hein, parce qu'on a une histoire particulière avec la France. Est-ce que nous, notre génération, on sera en capacité de pouvoir faire face ? On fera face à cette situation comme les générations précédentes ont pu faire face. Est-ce qu'il faut céder à cette crainte et à cette peur ? Non, il ne va pas falloir céder à cette peur et à cette crainte. On est beaucoup plus fort que certains peuvent le penser. Le vote, quoi qu'il en soit, on a une majorité FN, on n'arrive pas à trouver de majorité à l'Assemblée nationale, il va y avoir de l'instabilité ministérielle, ça on va dire c'est le jeu politique. Concrètement, sur le terrain, ça va être une recrudescence des discriminations, ça va être une recrudescence... des actes ou des menaces, ça va être une recrudescence aussi des actes violents. Il va pas falloir céder à cette violence. Voilà. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.